Kevin Gage et Carla Moreau ont longtemps formé l'un des couples emblématiques de la télé-réalité. Depuis leur rencontre dans les Marseillais South Africa, leur histoire d'amour a longtemps rythmé les épisodes de l'ancien programme phare de W9. Notamment car Carla a toujours pardonné les frasques de Kevin, qui ne se gênait pas pour aller voir ailleurs. Finalement, au bout de 6 ans d'une relation tumultueuse et la naissance de leur petite Ruby, celui qui se faisait surnommer le Jaguar a décidé de se ranger et a épousé Carla le 26 janvier 2022. Une cérémonie qui a eu lieu à Courchevel, sans la présence de leurs collègues, excepté Paga. Car en mars 2021, Carla a été accusée de sorcellerie et de vouloir nuire à ses partenaires de tournage, qui ont alors pris leur distance. Par la suite, Kevin et Carla ont annoncé leur départ des Marseillais et obtenu leur propre Dynasty Show sur la plateforme MyCanal, intitulée La MIF. Un programme qui n'aura connu que 2 saisons, au vu des audiences décevantes. Quelques mois plus tard, les amoureux font leur retour sur TFX, dans la bataille des clans, aux côtés de la JLC Family. Un dernier tournage qui aura eu des conséquences irréversibles. Carla Moreau et Kevin Gage @Instagram de l'amour à la haine. En effet, peu après la diffusion, il a été révélé que Kevin aurait trompé Carla avec Bellon Well. Des accusations que le jeune papa a mollement réfutées, malgré les déclarations de la jolie brésilienne, qui ne s'est pas montrée avare de détails. L'incartade de trop pour Carla, qui a jeté l'éponge et demandé le divorce. Depuis, les jeunes parents se partagent la garde de Ruby et Carla vit très mal les semaines où elle est séparée de sa fille de 4 ans. Le 6 janvier dernier, Carla est tombée sur une vidéo de son ex-mari, qui s'adresse à ses abonnés. En arrière-fond, on peut entendre Chloé, la nouvelle compagne de Kevin, autoriser Ruby à goûter à son mojito, un cocktail à base de rhum. Une story qui a déclenché la colère de Carla, qui s'en est pris à Kevin sur les réseaux sociaux. Celui-ci s'est vivement défendu d'être un père irresponsable et en a profité au passage pour tacler son ex. Et il a visiblement la rancune tenace. Kevin Gage réconcilié avec ses fratés? Depuis son divorce, il semblerait que les candidats des Marseillais aient pardonné à Kevin les actions de son ex-femme. Ce mercredi 10 janvier 2024, il s'est ainsi filmé avec Greg Yega, qui a réagi au scandale et bien fait comprendre qu'il avait choisi son camp, et quand bien même, je ne comprends pas. C'est insurgé l'ex de Maeva Guénam, aux côtés d'un Kevin Hillard. Une réaction qui a indigné les internautes, nombreux à blâmer les propos de Bébé. Le lendemain, c'est avec les tantis que Kevin Gage s'est affiché, visiblement très heureux de leur complicité retrouvée, « Je suis avec ma meilleure amie. Nous, vraiment, on est vraiment les meilleurs amis du monde. » a-t-il lancé face caméra, en lassant Manon Marceau, qui acquiesce sans hésiter, tout sourire, je le jure. Alors, faut-il y voir une petite pique subliminale destinée à Carla Moreau? La plupart des internautes en sont persuadés. Qu'en pensez-vous?